comment gérer son stress, structurer un discours efficace, captiver son auditoire et gagner en confiance lors de prises de parole en public. C'est le fondement d'une formation qui s'adresse aux étudiants. L'objectif, d'améliorer leurs compétences dans l'art de parler. Nous comprenons que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient savoir comment prendre la parole en public parce qu'ils font face à un certain nombre de problèmes liés notamment à des émotions qu'il faut dominer, qu'il faut vaincre, mais également ont des problèmes quant à l'organisation de leurs propos lorsqu'ils prennent la parole en diverses circonstances. Parce que le public qui a participé à cet atelier ne vient pas que de nos classes. Nous avons eu également au moins une collègue enseignante de l'Université Marien Ngouabi et qui pense qu'elle a des choses à apprendre quant à la manière de prendre la parole en public. Les participants ont pu bénéficier de l'expertise de professionnels de la communication et de la prise de parole en public. Des ateliers pratiques ont été proposés pour permettre aux étudiants de s'exercer et de perfectionner leurs techniques de communication. Cette connaissance-là nous a permis non seulement d'avoir de nouvelles informations, mais également de savoir sur quel pied danser, donc la compétence. Ce que j'ai appris aussi, ça va dans le sens de la plaidoirie, les discours écrits et les discours lus. Je pense que ce sont des compétences que tout un chacun, non pas seulement juriste, mais que tout un chacun devrait avoir. Parce que la prise de parole, nous sommes appelés à prendre la parole de fois de manière inopinée. Et cela nous permet également de construire notre être intérieur. Pour les formateurs, ces connaissances acquises permettront aux étudiants à communiquer de manière efficace et persuasive. Ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens qui auront participé à cet atelier soient capables demain d'améliorer leurs prestations en diverses circonstances, mais pas que. L'autre attente serait que la graine soit tombée sur une bonne terre, qu'elle puisse germer. Cette formation organisée par l'AUF a permis aux étudiants de développer des compétences en communication essentielles pour leur avenir professionnel. Elle illustre l'engagement de l'agence en faveur de la formation des jeunes francophones et contribue à renforcer leur employabilité sur le marché du travail.